Bravo, vous êtes plus ou moins convaincu maintenant de ce qu'une page Facebook peut apporter à votre entreprise. Vous êtes à deux doigts de créer votre première page d'entreprise. Une fois encore, bravo, parce que je pense que le plus gros du travail est déjà fait. Je parle de la phase décisionnelle au niveau de laquelle beaucoup d'entreprises restent coincées. Maintenant, il y a quelques petites choses que vous devez savoir pour mieux faire et pour d'ailleurs garder cette motivation que vous avez maintenant active et pour longtemps. C'est rien de sorcier et vous pouvez vous en passer d'ailleurs. Mais le risque, quand vous autant de ce manteau, vous vous exposez au même risque que ces pages qui galèrent avec des dizaines d'abonnés aujourd'hui et dont les administrateurs cherchent à longueur de journée sur YouTube des techniques pour vous aider à développer rapidement une page Facebook. Donc, nous allons faire un rituel probable qui peut nous aider à ne pas finir comme ça. Un des conseils que j'aurais aimé recevoir au début du déploiement de mon business sur Facebook, particulièrement, est qu'une page Facebook d'entreprise mérite la même attention que cette site internet d'entreprise. Elle a besoin d'être suivie de près, de répondre à des normes graphiques qui représentent vraiment l'entreprise, de bénéficier de maintenance régulière, des actions d'optimisation pour le test, la visibilité dans les moteurs de recherche, etc. À chacun des niveaux d'amélioration cité haut correspond un paramètre bien précis à prendre en compte et sur lequel il faudra travailler pour essayer de se faire avoir par l'algorithme de Facebook. Quoi? Vous ne connaissez pas l'algorithme de Facebook? J'ai fait une série de vidéos détaillées sur l'algorithme de Facebook et ses indications pour votre business que vous pouvez voir dans les liens qui apparaissent en dessous de moi ou en cliquant sur le i en haut à droite de l'écran. Alors, allons toucher concrètement ces choses auxquelles vous devez faire attention quand vous démarrez. Votre page Facebook est une de vos représentations sur le web dans le monde. Donc, la première des choses auxquelles il faut faire attention, c'est votre image d'entreprise. Je parle parce que je suis community manager et dans plusieurs des cas, je vois ce que les entrepreneurs essaient de faire dès les premières présentations. Au lieu même de chercher à publier du contenu coûte que coûte, le mieux, c'est de s'en abstenir quand on n'a pas une image qui, numéro un, répond au blog de Facebook, mais qui ensuite reflète le sérieux et la qualité de service qu'offre votre entreprise. Ce qui nous échappe souvent dans ces cas, c'est qu'au moment même où votre page est créée, elle est déjà disponible sur Facebook et sur d'autres plateformes partenaires et quelques internautes peuvent déjà voir ce que vous publiez. N'oubliez jamais, Internet a de la mémoire. Internet a de la mémoire. Tout ce que vous partagez sur Internet a un moment qui est même automatiquement supprimé après être quelque part sur le web que les entraînés peuvent vous ressentir en quelques clics. Donc, vous devez faire vraiment attention à ça et savoir quoi publier et quoi ne pas publier. Là, il va publier de votre entreprise. Une fois, je suis tombé sur la page d'une grande marque d'e-commerce en Afrique dont je tais le nom, qui à la date d'aujourd'hui oscille encore entre ce qu'elle propose et ce qu'elle pense faire de sa page. Nous sommes au temps de la caisse à la télé, l'attention plus le temps. L'internaute qui découvre votre page comme l'utilisation de votre page dans son fil d'actualité n'a plus quelques minutes pour être convaincu de qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez et pourquoi il doit cliquer sur le bouton sur ma page. C'est un sujet qui devient de plus en plus important de nos jours parce que l'actualité sur cette Facebook devient encombrante et avec des dizaines de publicités qui coûtent parfois le seul internaute alors que vous et moi, quand nous nous connectons à notre Facebook, c'est pour checker le message, voir les notifications qui nous interpelle, passer un peu de temps dans le flux d'actualité sur Facebook pour finir sur Facebook Watch. Pas plus, personne ne se connecte pour voir les publicités de notre site ou du bas. À moins que nous ayons déjà entendu parler de notre site, nous venons sur Facebook pour vérifier et confirmer l'information que nous avons déjà reçue. Donc, pour l'entrepreneur, la tâche sera d'être le plus précis et concis possible. Que faire votre entreprise? Dans quel domaine travaille-t-il? Pour qui? Qu'est-ce qu'il offre? Et quelle est la marque différente de ce qu'il
est en fait sur le marché. Un autre petit point, pourquoi est-ce que sur sa page Facebook, c'est vrai que vous ce sont là un ensemble de choses, de questions auxquelles l'ensemble de vos différentes configurations sur la page doit répondre. Vous me demanderez exactement où mettre les informations pour qu'elles soient visibles en un coup d'œil. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous voyez la page que voici. Elle est une des excellentes pages qui répond bien à ce que je dis. Je ne fais de promotion à personne. Un, deux, trois regards sur cette page que vous aurez normalement pour comprendre. Vous avez la photo de couverture qui répond non seulement à la question quoi, mais aussi à la question qui. Et ils vont plus loin pour vous dire concrètement de quoi est composée cette offre. Un peu en bas, vous avez un bouton en savoir plus qui promet vous donner plus d'informations de quoi il est question. À ma droite, vous avez ensuite la catégorie de la page qui recentre le débat sur quel est le domaine d'intervention de cette entreprise. C'est un peu comme ça que fonctionne la page de la tante Vanessa Mandara aussi, qui est une de mes mentors sur cette compétence. La description est claire et digeste. Donc, avant de créer votre page d'entreprise, vous devez vous assurer que vous savez quoi faire et le reste ne sera qu'une exécution. Remarquez que ces pages ne se sont pas contentées de mettre un logo, une belle image d'entreprise, là, et c'est tout. Non. Elles ont su mettre à profit ces outils pour capter l'attention de nos autres et en leur faire un prospect par la suite. Mais au début, soyez clair avec ce que vous proposez pour vous offrir. Parlant même de prospect, une chose que vous devez savoir, c'est que votre page d'entreprise vous donne la possibilité de convertir ces internautes dont vous avez capturé l'attention en prospect pour ce que vous offrez. Et je m'explique. L'internaute rassuré qui comprend clairement ce que vous lui proposez et qui d'une part en est intéressé ne sera que s'abonner à la page et il cherchera à savoir davantage, vous contacter même pour avoir des réponses à des préoccupations capables de tenir sur des temps. Donc ce que vous allez faire, c'est de placer vos coordonnées à des points stratégiques de la page pour permettre à vos futurs potentiels clients d'entrer en contact avec vous un peu plus directement. Voici où placer ces coordonnées pour maximiser vos chances. Vous avez la possibilité de personnaliser le bouton juste en bas de la photo de couverture. Vous avez également la possibilité d'ajouter un lien et vos contacts dans la section à propos de la page. Vous pouvez aussi ajouter directement ces coordonnées à la page. C'est à vous de voir. Quelque part entre que ces trois endroits, voilà, sur la photo de couverture elle-même. Surtout, ne ratez pas l'occasion de vous faire de nouveaux prospects. Il y a un conseil personnel que je dois vous donner, c'est de trouver vos concurrents sur la plateforme et de tout faire pour vous démarquer d'eux. Avant même que vous ayez l'idée de créer votre page Facebook, plusieurs entreprises qui font la même chose que vous y ont pensé aussi. Et certaines ont pu franchir le cap et font de belles choses sur la plateforme depuis peu déjà. Donc, votre travail sera donc de retrouver ces entreprises-là et de voir ce qu'ils font déjà. Qu'est-ce qui marche pour eux, qu'est-ce qui ne marche pas pour eux, et de ce fait, vous faire une idée vous-même de quel aspect du business mettre en avant. Parfois, la différence entre vous et l'entreprise concurrente peut être au niveau du format de contenu que vous proposez ou même au niveau de la plateforme dont vous présentez le contenu. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous êtes capable d'investir dans ce projet, ce qui correspond le mieux. Ça peut prendre un moment de réflexion, mais vous l'aurez quand même trouvé. Trouvez votre force dans la concurrence et faites l'effort de vous démarquer du lot. Enfin, une chose qui embête à tous les groupes, c'est de ne pas être en phase avec les configurations de base de la page. Il y a une bonne méthode de configurer et de bien configurer une page. Ça, personne ne vous le dit quand vous dites. Vous devez vous assurer que tous les paramètres de base de votre page d'entreprise sont bien à jour pour bénéficier de ces quelques astuces que nous avons émises ici. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai écrit un article complet tutoriel qui explique pas à pas ce que vous pouvez voir sur le blog. Lien est dans la description. Vous devez faire attention aux configurations de base de votre page d'entreprise. C'est important. Dernière chose à prendre en compte, c'est que vous devez réellement commenter et assurer le reste. Restez actif. Vous ne devez pas créer votre page et la laisser comme mauvaise idée. Dès que vous avez pris la résolution d'expérimenter, vous ne devez pas vous décourager en si bon chemin. D'ailleurs, si vous suivez correctement les quelques conseils que je vous donne ici, vous ne devez plus manquer de motivation parce que chaque effort que vous fournirez produira des résultats mesurables.
Esse ukrainien ne savent que tant. Combien ça peut prendre comme temps de travail dans la guerre? Vous n'avez vraiment pas peut-être à ça. Ou vous trouvez tout ça complexe à gérer. Vous avez envie de le confier à un gestionnaire professionnel pour être au bon endroit. À Trafiquant, nous formons et déployons sur le terrain depuis quelques mois déjà de personnes dont les spécialités se résument à ça. Il nous représente un peu partout dans le monde pour offrir des services de qualité à qui que soit, professionnel, pratique et pas cher. Laissez-nous un petit message sur notre page Facebook Trafiquant ou en commentaire de cette vidéo. Nous prendrons le soin de vous faire part au contenu de ce que nous offrons. Croyez-moi, ça peut changer votre vie. Trop de bavardage aujourd'hui, Allez, soyez créatifs et on se voit à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Salut!